Des étudiants de l'École nationale de l'humour. Bon, ben, ça va être simple. Faites l'entrée. Alors, nous sommes ici pour parler de la tournée du spectacle des étudiants de l'École nationale qui va bientôt parcourir le Québec. Alors, dites-moi, quel type d'artiste êtes-vous? J'aurais voulu être un artiste ou à faire mon numéro. Vous savez, quand l'avion se pose sur la piste. Je suis assez calme, je dirais. Plutôt posé. Très terre-à-terre. Merci. C'est vraiment rare que je m'emporte. Ah, c'est chaud, putain! T'es un rappeur polyvalent, je danse pas, je chante pas, je fume pas, je... Ou un chanteur. Un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. Je dirais que je suis la version enflée de Jay du Temple. C'est quelle caméra, ça, exactement? Il me semble... Oh, excusez, il faut pas mettre les doigts. Hein? À quoi peut s'attendre l'audience qui viendra voir le spectacle? Ben, les gens peuvent s'attendre à voir un spectacle de une heure et demie, avec un entracte. Un ou une entracte? Beaucoup de choses, mais probablement pas Ginette Reno en rollerblade. Passe, passe. Tout le monde aurait pu me voir mouer, pousser dans une brouette par Joe Dassin, mais le metteur en scène, il a refusé. Tant qu'à moi, là, un gars qui manque un peu de vision. Mais tu vois, votre perchiste, il l'a pas, là. Plus proche. Peux-tu checker dans ton dictionnaire si c'est un ou une entracte? Ah! Oui, vous autres, à Québec, est-ce que vous dites un ou une entracte? Comment se sont déroulées les répétitions? Ben Vincent, il avait son bras de même. Moi, je passe. Clau! Mais demande ça parce que je suis une fille. Me suis fendu le menton. Check. C'est hot, hein? 4 points de suture, là. Quel a été votre processus créatif pour votre numéro? Ben, si tu voulais mon numéro, fallait me le demander. Ah! Moi, ouais, c'est simple, je reste sous l'eau très longtemps, en apnée, jusqu'à évanouissement. Et je me rappelle, la dernière fois, j'ai fait ça 9 mois dans le ventre d'une dame. Vous me croyez pas? Allô, maman? Elle me croit pas que si je rentre à la maison. C'est personnel. Ben, moi, j'ai ma routine. À chaque matin, je me réveille, je sors dehors, je vais voir le soleil, puis je la regarde en me disant: je suis un rayon UV, je suis un rayon UV! Puis là, ça part. C'est juste que si tu me la laisses, ça va aller mieux. Laisse-moi là! Je fonctionne beaucoup à l'instinct. Donc, j'écris avec des loups. Ça a beaucoup d'instinct, des loups. Êtes-vous stressé de la réception du spectacle par la critique? Ben, je vais en lire une ou deux, là, pour des feedbacks. Je dirais pas que je suis stressé, mais par contre, je suis extrêmement fertile. Imagine, il m'aime pas! Je conseille fortement à tous d'apporter un parapluie puis des condoms. Au gros yo, le pic de la fin! Donc, tu travailles-tu pour la police, toi? Par exemple, ça fait des grosses cernes. Laisse-moi juste...